Hey yo à toutes et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale vu qu'on va aujourd'hui présenter trois chaînes. Alors pour ce concept, c'est assez simple, toi aussi tu peux y participer et toi aussi tu peux tenter ta chance. Dans la description, il y a un petit formulaire à remplir. Tu te diras, mais qu'est-ce que je dois remplir dans ce formulaire et surtout, pourquoi? Alors dans ce formulaire, tu auras tout simplement des choses banales que tu retrouveras dans la vie de tous les jours. Quel est ton nom? Donc quel est ton nom? Quel est ton pseudo de chaîne, hein? Je te demande pas, hey, je m'appelle Kevin. Non, je m'en fous. Donc quel est ton nom de chaîne? Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Si tu fais des jeux, si tu fais des lives, si tu fais de l'IRL, tout ça m'intéresse. Et surtout, combien d'abonnés as-tu et combien de temps as-tu mis pour avoir ce nombre d'abonnés. Donc pour vous dire, tout ce que je vais recevoir de ce formulaire, toutes les réponses seront gardées privées, notamment, hein, c'est sûr et certain, il n'y a pas de souci sur ça, mais je vais surtout me baser sur tout ce que vous avez fait et tout, et pourquoi, et quelles sont vos motivations, et pourquoi je devrais vous passer vous au lieu d'un autre, tout simplement. Alors, ça peut paraître évident, mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que mon avis reste mon avis. Je ne suis pas Dieu et je ne suis pas un professionnel de l'info et je ne suis pas professionnel de la vidéo ni du son. Je suis juste un amateur tout comme vous. Après, certains vous diront, mais pourquoi alors te permets-tu de critiquer des chaînes? Tout simplement, je suis un amateur comme vous, ok, mais ça fait quand même 5 ans que je me traîne ma petite chaîne YouTube. Et ça fait quand même un petit moment que je vois un petit peu la plateforme et comment qu'elle agit, et surtout un petit peu quelques codes. Bon, je m'improvise pas non plus pro de YouTube, encore une fois, je vous le dis. On sait jamais parce que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui me diront, mais qui es-tu en fait? Du coup, maintenant, vous avez les bases, et maintenant, vous savez que trois chaînes vont être présentées. Sur ce, let's go! Nous allons présenter Miss Flamme, petite chaîne de 745 abonnés pour 137 vidéos. Tu as quand même pas mal de taf. Quand on arrive sur ta chaîne, le design est chaleureux. On voit de belles miniatures, même si pour moi la police d'écriture serait à changer. On ne la voit pas assez et pour une miniature, ça reste quand même primordial. La bannière et le logo, eux, sont parfaits. Tu as même pensé à ta section à propos parce que tu as mis ton Discord, ton Twitter et ton Instagram sur le côté de ta bannière. Et ça, c'est génial. Je remarque aussi que tu t'es vachement amélioré en termes de graphisme. Parce que les premières vidéos et les premières miniatures que tu as faites laissent assez perplexe. Ma foi, c'était avant. Et tu as bien rattrapé le coche depuis. Donc, ne jugeons pas un livre à sa couverture et prenons donc le temps d'analyser tes autres créations. Bon, là, tu es sur un archi-monstre du jeu Wakfu. Tu as donc décidé de ne pas y ajouter ta voix et donc de faire un montage avec un fond sonore. C'est notamment la méthode que beaucoup de gens font avec le PVP Wakfu. Mais la première chose que je remarque, c'est ceci. Le chrono défile à vitesse normale. Tu n'as donc pas accéléré la vidéo et pour moi, c'est une erreur. On est dans une ère où tout va vite. Tout ce que tu recherches et tout ce dont tu as besoin, tu le trouves en moins de 2 minutes sur Internet. Tu peux également le voir sur des séries comme Breaking Bad ou Prison Break. Il y a des cuts toutes les 5 secondes pour fluidifier l'animation. Et je pense qu'en suivant ce principe, tu aurais dû minimum accélérer la vidéo en x2. Comme ça, tu aurais réduit ta durée de vidéo de 6 minutes à 3 minutes. Ça aurait été largement mieux et tu n'aurais pas perdu l'audimat directement. Mais à la limite, ce n'est pas encore trop gênant. Donc, au final, c'est pas une erreur si grave comparée à celle que je vais te montrer là maintenant. Alors, quel est ton plan? Est-ce que tu écoutes le son et est-ce que tu regardes ta vidéo avant de l'upload? Parce que est-ce que tu écoutes le son qu'il y a derrière tes vidéos?
Ça, c'est vraiment un bruit parasite et je vais te l'amplifier quelques secondes pour que tu puisses vraiment prendre l'ampleur de ce que je veux te dire. C'est agaçant, hein. C'est agaçant, hein. C'est agaçant ce bruit que t'entends là. Ce bruit de télé, ce bruit de vieille téloche qui ne marche pas, hein. Ça, c'est chiant, hein. Et je ressens exactement pareil. Et je sais que ton contenu est bon pourtant, et j'ai pas envie de l'écouter parce qu'il y a ce bruit-là. Malheureusement, je sais très bien, et je le sais, le matériel que tu as n'est pas bon, et le problème vient de lui, pas de toi. Soit ton PC n'est pas assez puissant, soit ta connexion à RAM, soit ton micro capture les bruits ambiants. Mais pour moi, après analyse de ta chaîne, tu restes quand même une excellente youtubeuse. Car malgré tous les petits défauts que je t'ai trouvés et que je t'ai notés et que je t'ai dit, pour moi tu restes quand même une excellente youtubeuse parce que tu fais des vidéos, tu fais des lives et tu fais des facecams. Vraiment très très important le facecam. Tu t'es même fait chier à créer deux intros, une pour Wakfu et une pour tes let's play. Donc on voit que quand même tu as certains codes de YouTube et tu as certainement beaucoup de motivation. Il te manque malheureusement quelques bases, mais je pense que tu as quand même un bon avenir devant toi. Pour moi, tu as toutes les cartes en main, mais le seul manque crucial que tu as, c'est le manque de matériel et ça t'empêche vraiment d'avancer comme tu le souhaiterais. En tout cas, je te souhaite bonne chance sur ta chaîne et j'espère que la petite analyse t'aura plu. Alors là, on est chez Raizen Ekwimi, une chaîne en duo qui comporte plus de 1770 abonnés pour plus de 1000 vidéos. Ouais, 1000. On a affaire à des farmeurs chinois et encore, j'ai pas tout compté. Là, il y a plus de 1000. Bref, malheureusement, je vais devoir critiquer votre chaîne d'emblée. Parce que dès que je suis arrivé dans la page d'accueil de votre chaîne pour l'analyser, je suis tombé sur un problème de taille. Rien n'est vraiment classé et pourtant tu as des playlists, mais on s'y perd quand même. Je sais que tu fais des lives et tu fais des vidéos, mais je défie quiconque d'entre vous de me dire ici quelles sont les vidéos et quels sont les lives. Moi personnellement, si je ne sais pas, je me fie à la durée. Je me dis qu'un live ne peut pas durer 20 minutes. Enfin, quoique. Ça peut arriver apparemment. Donc, suivant cette logique, tout ce que je vous montre là actuellement, bah ça devrait être des lives. Et pourtant, ça et ça, eh bah c'en est pas, c'est des vidéos. Et ce problème-là est récurrent parce qu'il est valable pour beaucoup d'épisodes que tu as sortis. Je montre pas tout parce qu'il y a quand même plus de 1000 vidéos et je vais pas tout éplucher non plus. Mais vous aurez compris le problème principal sur cette chaîne, c'est qu'on s'y perd. Surtout que quand on arrive sur ta chaîne, le premier truc qu'on voit réellement, c'est la playlist vidéo en ligne. Et tes lives sont dedans. On est d'autant plus perdu et on ne sait pas où aller. L'interface n'est pas claire. Je pense que tu perds pas mal d'audience à cause de ça et tu devrais créer un petit peu comme moi. Tu devrais créer une playlist où tu mettrais toutes tes vidéos dessus, donc celles que tu as déjà et celles que tu sortiras pour plus tard. Tu devrais créer aussi une playlist de rediff de live et tu l'as déjà fait, donc je ne comprends pas pourquoi tu l'as déjà pas appliqué. Tu devrais donc séparer les lives et les vidéos pour harmoniser le tout et rendre ton interface claire. Attention, j'estime encore une fois ne pas être la parole divine, donc si tu ne veux pas le faire, tu as totalement le droit. Mais attention, parce que le problème de l'harmonie, c'est valable aussi pour tes vidéos et tes miniatures. Tes miniatures! Parce que je sais pas pourquoi, je suis allé sur ta chaîne et d'un coup, tu nous mets des pics, des fois non, des fois tu nous mets des textes, des fois non! Pourquoi? Pourquoi? On se retrouve avec quatre types de différentes miniatures et on ne sait pas vraiment laquelle t'appartient et laquelle est ta forme de miniature. On ne sait pas d'un clin d'œil, tiens, ça c'est Raizen Ekwimi. Et encore une fois, encore de l'harmonie. Pour voir ton dernier live, on voit encore que je suis noté en tant que Ekar Wakfu, alors que ici c'est écrit Ekar TV depuis un moment. Et encore, ça c'est sans parler de ton à-propos. Ton à-propos de la chaîne, il est totalement vide, il n'y a rien. Et je pense que tu peux penser actuellement, je pense que tu penses que je m'acharne sur toi. Mais attention, là c'est l'aspect graphique de la chaîne que j'ai critiqué. Parce que en vrai, tes vidéos et tes lives sont vraiment magnifiques.
Et surtout tes lives. Surtout tes lives sont vraiment à mourir de rire. Et sont vraiment très très bien à regarder. Tu rigoles? T'es en facecam? T'es avec ta femme? T'es avec des collègues? T'es avec plein de personnes qui font que le live se rend dynamique. Et je pense que malheureusement tu es le cas typique du mec qui privilégie la forme de la chaîne plutôt que le fond. Tu vraiment axes vraiment tout sur tes lives, sur ta bonne humeur et sur ta qualité, plutôt que l'aspect graphique et tout ce qui est à côté. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que moi, je suis un viewer et je ne te connais pas. Si je trouve une chaîne comme ça, je ne clique pas. Et pourtant, vraiment, ça aurait mérité un clic. En tout cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance et bon courage pour ta chaîne. Mais vraiment, je souhaiterais que tu fasses plus attention aux petits détails. C'est ça, à mon avis, qui te pêche un peu sur ta chaîne et qui fait que t'arrives pas à évoluer correctement ou comme tu le souhaiterais. Voilà. Voilà, nous sommes chez Playgirl, une petite maman gameuse de 2640 abonnés et comptabilisant plus de 305 lives sur sa chaîne principale. Oui, car elle s'était pris un strike sur sa chaîne principale, et un strike engendre une peine de 3 mois de live. Du coup, tu ne peux pas live pendant ce temps-là. Et pour une streameuse, comment te dire que c'est un petit peu problématique? Ne pas live pendant 3 mois et ne pas exercer ta passion, c'est pas forcément évident. Surtout qu'en plus de ça, elle live sur YouTube et non sur Twitch, ce qui est très 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 loin de l'avantager. En tout cas, quand on va sur ta chaîne, c'est une véritable claque graphique. On va dans ton accueil, on va dans l'espace vidéo, et toutes les miniatures sont belles. Et ta bannière et ton logo sont vraiment excellents. Il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, on va rien dire pour ces deux-là. Ton contenu est généralement généré par Fortnite. On va pas se le mentir, il y a au moins 90% de ça. Mais en ce moment, j'ai vu ton onglet communauté et j'ai l'impression que t'as envie de te libérer de ça et de partir un petit peu sur d'autres jeux qui te font kiffer. Je sais que Fortnite, c'est ton moment de prédilection, mais vas-tu faire ça pendant 5 ans? Vas-tu rester dans l'optique de Fortnite? Je pense qu'à mon avis, ce jeu va te saouler au bout d'un moment. En tout cas, malgré les tendances de YouTube qui sont plutôt mono contenu et qui te restent à bloquer sur ce que tu fais normalement, moi je t'encourage plutôt à faire de la diversité et d'aller plus autre part. Et je pense qu'à mon avis, tes abonnés vont s'en foutre totalement, hein. Ils sont là pour toi, ils sont pas forcément là pour le jeu que t'as fait, que tu fais, que tu fais, que tu fais. Ah, et aussi, sais-tu que j'ai regardé ton à propos de la chaîne? Et franchement, il est très très clean. Je ne savais même pas, et tu viens de me l'apprendre, que tu pouvais utiliser le code ASCII dans les descriptions ou dans les commentaires de tes vidéos. Je ne savais même pas qu'on pouvait le mettre dans les à propos. Et franchement, tu vois, moi qui suis assez perfectionniste, franchement, tu vas vachement m'aider grâce à ça. Et tu vois, au final, je suis venu pour critiquer ta chaîne et c'est moi qui en sors grandi parce que du coup tu m'as appris quelque chose et ça va vraiment m'être utile. Beaucoup, 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 beaucoup trop de fois, je te vois critiquer ton fond vert car il ne marche pas. Alors, le problème crève les yeux, tu n'as pas assez de luminosité. On peut mettre une image de ton live et une image du mien. Le résultat, y a pas. C'est sans appel, c'est sans appel. Le problème vient forcément de la luminosité, mais après il peut venir de beaucoup de choses. Soit c'est ton fond vert qui est beaucoup trop vieux, soit il est d'une couleur qui ne correspond pas à ce que t'as mis dans les réglages. Soit tes lumières ne sont pas assez luminescentes, c'est-à-dire qu'elles ne génèrent pas assez de lumière et que la lampe qui est dedans ne correspond pas. Soit le problème vient encore une fois des lampes, ça se trouve tu n'as que deux spotlights et tu n'as pas de backlight, ce qui est un problème. Soit tout simplement, et je pense que c'est le cas, soit ta webcam ou l'objet avec lequel tu filmes, donc c'est peut-être une caméra, ne capture pas assez d'ISO. Et si tu ne captures pas assez d'ISO, forcément la lumière ne rentre pas dans l'objectif et du coup tu ne peux pas capturer la lumière que tu voudrais et du coup éclairer ton fond vert. Malheureusement, il y a un paramètre que je ne connais pas et je voudrais vocal avec toi pour qu'on puisse un petit peu t'aider niveau fond vert. C'est, je ne sais pas si, vu que tu filmes via la PS4 ou ton Xbox, je sais pas si tu filmes avec un boîtier d'acquisition comme celui-ci, soit si tu utilises un logiciel tiers. Je ne connais absolument pas les réglages dans ce truc-là. Dans ce truc-là. Sinon, tes lives sont de très 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 bonne qualité. Bon, il y a juste le fond vert qui pêche un peu, comme je te l'ai dit. Mais sinon, on délire bien.
ton jeu est cool, même si forcément tu ne fais pas 20 kills comme les plus gros players du monde, ce n'est pas grave. Ce qu'on aime bien, c'est ta personnalité, c'est ton gimmick qui est ceci. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et franchement, si je dois dire qu'il y a un problème quelque part, il ne vient pas de ta chaîne, mais il vient de ton Discord. Sur ton Discord, il n'y a aucune animation. Quand on arrive, c'est froid, il faut se faire prier quand on te dit bonjour pour qu'on te réponde. Et quand on regarde, je ne t'ai jamais vu mettre un message depuis que je suis arrivé. Ou alors c'est juste pour répondre LOL. Et franchement, c'est pas intéressant. Et pour moi, c'est vraiment, mais vraiment dommage parce qu'il n'y a aucun effort. Il n'y a même pas de grade, il n'y a rien. Je ne sais même pas pourquoi ce Discord a été créé en fait. Et encore, et finalement, je suis désolé de le redire encore une fois, c'est vraiment dommage que tu n'exploites pas cette plateforme parce que pour moi, ça peut être ton atout majeur, vraiment. Créer des grades, créer des choses, créer un grade donateur peut-être pour les personnes qui veulent te donner un petit peu et du coup ça leur donne quelques privilèges sur le Discord. Créer un grade abonné pour que les abonnés puissent être notifiés de tes dernières vidéos même s'il n'y a pas la notif sur YouTube. Et surtout ce qu'il faudrait c'est que tu crées un channel où tu es en live parce que comme ça les gens sur Discord se diront tiens, ah bah tiens il y a Playgirl en live. Parce que voilà ils te verront connecté dessus. Parce que si on regarde bien, s'il retrouve de l'animation, s'il retrouve une bonne humeur et que les gens sont actifs dessus, eh ben le lien va être vite partagé et seront partagés forcément à des personnes que peut-être ne connaissent même pas ta chaîne. Et du coup peut-être ils vont regarder vite fait avec les notifications et ils vont regarder tes lives. Ça peut que t'apporter du bien, donc pourquoi t'en priver ? Perso, si j'en rejoins un, ce serait pour la proximité avec le ou la youtubeuse. Parce que j'adorerais qu'on puisse vraiment parler de tout et de rien avec la youtubeuse ou le youtubeur. Alors certes, sur les lives, il y a une certaine complicité qui se crée et du coup, on peut parler un petit peu de tout. Mais Discord, on peut parler de tout à tout moment. C'est différent des lives. Or, pour moi, là, c'est pas le cas. Parce que vraiment, je galère à te contacter et je suis obligé de te contacter en privé. Parce que sur le Discord, à mon avis, mon message sera snobé. Il faut vraiment que tu donnes de l'importance à tout ça parce que pour moi, dans l'état actuel, il ne sert strictement à rien. Ma foi, en tout cas, continue dans ta lancée de streameuse parce que pour moi, tu es bourré de talent et je pense que tu peux aller très très loin dans ça. En tout cas, n'hésite pas à me répondre en privé ou dans l'espace commentaire. Je regarderai ce que tu m'as mis et je regarderai et je répondrai surtout. Sachez que je peux avoir tort et je peux ne pas avoir commentaire vraiment constructif. Et ça, c'est normal et c'est humain. Voilà, donc n'hésite pas à me reprendre si vous trouvez que c'est pas correct. Dans ce genre de vidéo, j'essaie de mettre les points positifs et les points négatifs en avant. Comme ça, vous pouvez sortir grandi de cette vidéo. Ça ne reste que mon avis, vous pouvez avoir des avis divergents du mien et il n'y a pas de souci. En tout cas, Playgirl, Raizen et Quimi et Miss Flam, n'hésitez pas à continuer dans votre lancée. Vous êtes très bien parti et je vous encourage. Voilà, donc j'espère que mes petites critiques ne vous ont pas blessé et vraiment vous auront aidé peut-être. Voilà, donc après ça reste qu'un épisode prémisse. Je ne sais pas vraiment comment on va tourner ça et je ne sais pas comment. Peut-être qu'il y a beaucoup de phrases que je vais cutter à la vidéo, mais en tout cas voilà. Sachez que c'est du bien que je vous veux. Et si vous voulez, par exemple, vous aussi là qui regardez la vidéo, si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à regarder, il y a un petit formulaire pour répondre. Et voilà, une fois que vous aurez répondu, je tirerai quelqu'un au sort ou alors je regarderai. Et de toute façon, vous serez là. Voilà, allez, sur ce, n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, c'était Icar. I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less than